Et bien salut tout le monde, c'est Jane Gaming. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, à partager et à activer la cloche dans la chance d'avoir plus de vidéos et de likes. Je vous laisse avec cette vidéo pour le visionnage. Du coup les potes, on se retrouve pour comment faire ceci. Du coup voilà. Voilà. Et du coup là, voilà. Du coup là, hop. Alors, là vous voyez, il n'y a rien. Tu vois. Et bah maintenant, hop. Parce que des fois il y a des bugs. Bon. C'est un mauvais exemple. Voilà. Bon, des fois ça se peut que ça fait comme là, tu vois. Quand ça fait ça, du coup là, la truc elle sort pas. Voilà. Et du coup là, tu vois, c'est la table de craft, tu vois. Il vous dérange. Vous avez juste à faire ça. Voilà. Et voilà. Vas-y, t'inquiète, je reste. Bon, lui il marche à presque 100%. Lui il marche à 50%, 99%. Et lui il marche à 50%. Lui c'est pour le. Voilà. Je sais pas quoi. Des fois il veut pas. Voilà. Il veut juste le débugger, on va dire. Et du coup, voilà. Genre. Voilà, vous avez juste à mettre des trucs dedans. Du coup, voilà. Regardez. Oui. Et. Hop. On peut mettre du fer, vous voyez, avec du charbon, tac, mettez dedans, tac, tac, tac. Vous voyez que ça fait un peu moche, du coup, vous faites ça, et voilà. Bon, il y a le levier, mais genre, il est obligatoire. Du coup, voilà. Du coup, on va passer au tutoriel. Du coup, c'est parti. Alors, du coup, il faudra un matériau, genre, qu'on peut... Et de la bedrock, bah un matériau où on peut pas pousser. Du coup moi perso je vais prendre de la bedrock. Voilà qu'elle est là. Tac. Après on prend une torche, une redstone, un pistolet collant. Et c'est tout. Et après votre truc, par exemple la table de forge. Alors vous mettez un bloc, voilà, votre bloc de construction comme ça. Là vous mettez une torche. Là vous mettez le piston, voilà, comme ça. Là vous cassez là, vous mettez là. Voilà, ça doit donner ça pour l'instant. Après là, vous mettez le truc où vous voulez, moi je vais le mettre là. Du coup ça fait ça. Là. Alors après vous mettez la table de forge ici, vous mettez le bloc ici, et pour pas que ça bug, en fait vous mettez le bloc qui peut pas être poussé sur avec des pistons, et genre du coup là vous faites ça, hop hop hop, là voilà, ça doit bien toucher, ça doit être bien alimenté. Du coup là normalement ça fait ça, et du coup là on va cacher le tout. Du coup voilà, hop. Mettez comme ça, moi j'ai perso, moi j'ai fait comme ça, hop, voilà, c'est plus stylé je trouve. Voilà, de votre maison, du coup là je l'ai fait vite fait, hein. Du coup je l'ai fait vite fait, tac, faut rentrer dans votre maison, voilà. Là vous voyez le truc, donc là activez et après faut attendre, voilà, voilà. Du coup voilà, là hop, voilà, vous mettez votre truc, du coup voilà, vous mettez votre truc, genre, ça c'est un tic glitch, entre guillemets. Bon on va la prendre parce que c'est genre de printemps. Hop, du coup là vous prenez, voilà, là vous prenez votre lingot d'énergie, ouais, voilà. Du coup là quand vous n'avez plus besoin, bah voilà, hop, vous faites ça et voilà. Regardez, là ça marche pas. Genre en fait si ça bug, genre vous faites ça comme ça, au moins ça fait des bugs. Genre là normalement, voilà. Voilà. Et voilà. Du coup là vous partez de votre maison, quand c'est fermé, voilà, vous partez de votre maison. Du coup c'est tout pour ce tuto, du coup voilà. Après vous pouvez mettre à, tu vois, vous voyez, à la place de ça, genre, après vous le camouflez. Genre à la place de ça vous pouvez mettre, je sais pas où, attendez, on va casser ça. Pour l'équipement de chimie, je vais vous faire des crafts si vous voulez. 5 likes, du coup voilà.
Parce que je sens que c'est très important dans le truc de chimie. Hop, voilà. Ça va marcher s'il peut le pousser. Voilà. Bon, ça peut marcher parce qu'on voit le piston, mais ça marche. Voilà. Hop. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Jungle Gaming.